les forces armées maliennes arriveront difficilement à bout du terrorisme sans faire recours aux sciences occultes. C'est fort de cette conviction que le réseau d'action citoyenne a profité de la célébration de ce 59e anniversaire de la naissance de l'armée malienne pour mettre en valeur les maîtres de la science qui sont les Dozo. Les Dozo que nous aujourd'hui cadre avec l'action militaire aujourd'hui. Parce que qui parle le 20 janvier aujourd'hui et pense aux Dozo du Mali aujourd'hui. Ce sont eux qui se sont donnés pour la première fois dans l'histoire du Mali avant qu'il y ait même l'arrivée des soldats et l'arrivée des militaires aujourd'hui. Donc nous, en tant que jeunes, on a pensé aujourd'hui qu'il faut retourner en arrière et revoir tout ce qui est notre tradition aujourd'hui, ressortir, donner de la valeur aux chasseurs du Mali, donner de la valeur aux Dozo du Mali pour que nous puissions être fiers d'eux aujourd'hui. Parce que c'est avec eux aujourd'hui qu'on peut sauver le Mali aujourd'hui. C'est avec eux aujourd'hui qu'on peut travailler pour respecter nos valeurs culturelles et traditionnelles. Visiblement tombé dans les oubliettes des plus hautes autorités en termes de reconnaissance, le RAC a décidé d'élever ces célèbres joueurs du Donzongoni au grade de grands maîtres de la culture malienne. Nous avons pensé que quand vous regardez Ross Libé aujourd'hui, Diba Yoro, il a fait sortir aujourd'hui 500 chansons officielles aujourd'hui, plus de 41 albums au Mali aujourd'hui. Depuis le temps qu'on a aujourd'hui jusqu'au Mali, il est aujourd'hui renommé national et international aujourd'hui. Nous pensons que l'État malien, dans son esprit, va le faire un jour. Mais aujourd'hui, nous avons décidé, en tant que jeunes aujourd'hui, de décorer Bayoro au nom de la société civile, au nom du réseau d'action civique, au nom de ce que nous aujourd'hui. C'est un parrain fier de cette initiative du RAC qui s'exprime ici. Je manque de mots à qualifier parce que la service fut grande. C'est énormément en remerciant les gens, je le mets dans un cadre de non-reconnaissance. Parce que c'est un fait de soi qui doit être fait et parrainé. Aujourd'hui, je suis ému et ça m'a donné plusieurs choses à réfléchir. L'homme dans son éternité, sachant bien que la parole est le véhicule de l'idéologie, cet acte m'a fait remémorer en me passant à la postérité qui m'incarne mon honneur et ma dignité. Il est à rappeler que le réseau d'action citoyenne a été créé en 2008 pour promouvoir la culture du patriotisme, la promotion de la culture et la défense des intérêts de la jeunesse.